Vassili, merci à tous les musiciens. Merci d'être venus nous voir. Vous venez d'interpréter un chant à la dimension spirituelle et justement, ce chant a été illustré, comme vous avez pu le voir, par une magnifique calligraphie réalisée par Faouzia. Prenez le micro. Oui, vous pouvez l'applaudir, justement. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Faouzia. Un petit mot sur cette calligraphie, quand même. Qu'est-ce que vous avez écrit ? Alors, j'ai repris une citation du Petit Prince de Saint-Exupéry, qui veut dire « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir à nouveau. Vous nous offrez une très belle introduction à l'émission. Et comme je l'ai annoncé d'ailleurs en début, notre soirée est placée sous le signe de la fête, de la spiritualité, de la solidarité et de la réussite. Et cette réussite est symbolisée par le parcours, le talent, l'engagement citoyen des personnalités qui sont parmi nous, comme vous d'ailleurs. Et pour commencer, on va vous accompagner dans votre atelier toulousain, Faouzia. Donc je vous propose de regarder ce portrait qui vous est consacré. Et vous allez voir, il est assez touchant. Regardez. Je suis Faouzia Ilmi, je suis toulousaine, je partage ma vie entre Toulouse et Paris. Je suis calligraphe, je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier. Faouzia Ilmi, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a décidé d'écrire elle-même son destin. Mon activité me permet de faire de très belles rencontres, des voyages, des nouveaux projets. C'est passionnant. Le talent de Faouzia a séduit le public et les grandes marques. Les collaborations et les expositions s'enchaînent en France et au Moyen-Orient. Je commence à intégrer donc la calligraphie latine à mes compositions et j'apprécie beaucoup car ça, c'est un peu un moyen pour moi d'exprimer ma double culture et également de transmettre un peu un message de fraternité. Merci à vous, Faouzia Ilmi. Merci pour ce message de fraternité qui illumine vos calligraphies. Et évidemment, c'est à vous que l'on doit le logo de l'émission ce soir. Oui. Vous faites des expositions maintenant. Oui. Votre travail est exposé. Oui, j'expose depuis plusieurs années en France, à l'étranger. Donc actuellement, par exemple, j'ai une expo à Dubaï. Et c'est une expo qui va durer une année, qui va être itinérante sur plusieurs émirats. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos inspirations ? Mais je pense que c'est avant tout ma double culture. Voilà, c'est de là que vient mon inspiration, de mes origines marocaines, mais également de la culture occidentale. C'est tout un mélange, je m'inspire de beaucoup de choses, en fait, en réalité. Ça peut être l'architecture, la mode, le design, la nature... Tout m'inspire, je suis assez curieuse de nature. Abdel, justement, qu'est-ce que vous inspire le parcours de Faouzia ? C'est le meilleur de ce que l'immigration a pu amener à ce pays. Parce que la calligraphie, et ce qui est remarquable dans ce que vous faites, madame, c'est que vous intégrez la calligraphie latine. Et donc, il y a une histoire pluriséculaire, et ça pourrait être aussi du street art. Et donc, ce qu'amène l'immigration, ce qu'amène ce brassage, c'est la capacité à avoir une vision plus grande du monde, une vision partagée qui s'inscrit aussi dans l'histoire de ce pays. Et le fait que vous puissiez donner ces lettres de noblesse à cette calligraphie, c'est le meilleur de ce pourquoi nos parents, nos grands-parents ont peut-être un peu souffert dans le passé, mais si c'était pour produire ça, ça valait le coup. C'est gentil. Et surtout, elle a dû ouvrir les portes à des femmes aussi. Pour ce... Ça, c'est quelque chose que je l'avais pointé dans la préparation de l'émission. Je suis très attaché à la question de l'égalité femmes-hommes. C'est un peu dur pour vous représentez plus de 50% de l'humanité, puisque les femmes sont une majorité. Et je fais partie de ceux qui considèrent que ce sont les femmes qui sauveront l'islam, qui sauveront les religions, qui sauveront la République, parce que elles sont porteuses à la fois d'une vision d'humanité, d'une vision d'ouverture et d'une vision de partage. Et pardon de le redire, vous êtes une belle incarnation de tout ça, madame. Merci, c'est très gentil. Un petit mot sur la calligraphie qu'on voit derrière nous. Alors, cette calligraphie donc, reprend une citation du célèbre poète libanais Khalil Gibran, qui dit « La terre est ma patrie et l'humanité ma famille ». Je tenais à faire une calligraphie sur le thème de la tolérance et la fraternité ce soir. Voilà, la tolérance et la fraternité.
On va conclure effectivement cette conversation. Merci à vous pour vos initiatives, pour vos parcours, vos réussites.